On est encore dessus. Ok. Tac, ici. Je capture. La tête, j'enroule. Ok. Là, j'attrape son kimono. Ok. Voilà, je sors les hanches. Là, je sors un peu plus parce que c'est l'omoplate qui va m'intéresser. Ok. Rappelez-vous ici, on a un triangle. Ok. Je vais faire une feinte que j'attaque le triangle comme ça. Ok. Et pour l'instant, je suis en train de m'éloigner. Pourquoi je m'éloigne? Pour faciliter le passage de l'omoplate. Vous voyez? Il est coincé, son bras, il est mort, son bras. Ok. S'il sort ce bras, à partir de ce moment-là, s'il sort son bras, je vais aller dans son dos. Je vais anticiper. Ok. Sort son bras, par exemple. Voilà. Alors, voilà. Il va me donner son dos. D'accord? Donc, je suis ici. Ok. Voilà. J'ai pris la distance. Ok. Maintenant, comme tout à l'heure, je pince ici. Je capture. Ok, je récupère le mot plat. Ok, là. Voilà, je crois qu'il roule. Regardez, je fais la crevette. Ce que je veux, c'est le faire capoter. Donc, je tire tout ce que je peux. Je tire pour tout. Ok, là, je le capture bien comme il faut. Ici, ici. Ok, et je viens pour lui parler à l'oreille. Ok, là, c'est ça la direction. Je le mets en S, pression sur le mot plat déjà. Pression sur l'omoplate et je viens lui parler à l'oreille. Ok. Donc je suis ici. Voilà, je l'ai capturé. Hein. Ok, ici. Oh. Voilà. Ok, crevette, je capture ça. Sa manche et son col ici. Pied sur les hanches. Ok, je fais des feintes que je veux sortir, que je veux faire un triangle ici. Je prends la distance. Oh. Ici. C'est comme si j'allais étrangler là, mais j'étrangle pas. Bam! Je passe le plat. Je me fais capoter à plusieurs façons. Okay, là, je contrôle la ceinture plus le talon. Okay. Hop. Pression sur l'omoplate. Et je viens lui parler. Voilà. Ok? Allez, essayez ça.